fois passé la surface, c'est un autre monde qui s'offre à mon regard. Sous cette mer gelée, à peine 3 à 4 cm d'épaisseur de glace, le spectacle n'est plus vers le bas, mais du côté du ciel. Cette sensation d'enfermement mène à la phobie. La glace est encore fine, et à tout moment, je dois pouvoir retrouver la sortie. Je vérifie quand même, à tout hasard. Waouh! Eh, super, va! Ah, c'est beau! On est à la naissance de l'hiver arctique, donc c'est super, super chouette. J'entends ce cliquetis de tous les côtés. C'est le son de la glace qui cristallise. Un iceberg en pente douce forme un platier sous moi. Mes bulles d'air s'écrasent comme une horloge liquide sous la surface. Je sens s'écouler dans mes veines le temps qui passe. C'est comme une plongée en grotte malgré la lumière qui pénètre de partout. Voie sans issue. À ce moment-là, je perçois quelque chose de saisissant, en rapport avec la naissance. Entre l'inquiétude sourde et la conscience aiguë de soi, comme une stridence indispensable dans un lieu aussi confiné. Le froid a tout pétrifié. L'hiver, c'est la saison où toutes les choses meurent. La glace en surface s'épaissit, l'eau s'apesantit en formant des paillettes, et je ne m'aventure pas plus loin pour être sûr de retrouver l'air libre.